Cela fait du bien d'entendre le président de la République insister sur l'instruction civique en Conseil des ministres. Nous disons « enfin ». Mais comment le président et son gouvernement vont-ils s'y prendre? Nous nous demandons sincèrement si ce n'est pas trop tard pour les personnes qui ont déclenché la réaction du président, car elles sont déjà endurcies à l'incivisme par plusieurs actes inciviques commis pendant plusieurs années, actes récompensés par une impunité notoire au fil des années. N'est-il pas trop tard? Les cours d'instruction civique à l'école, les cours de morale existent-ils encore dans les classes? Depuis combien de temps ont-ils disparu? Des personnes endurcies à l'incivisme se pavanent devant les jeunes et les moins jeunes, sans regret, car impunis par le système. L'effet est extraordinaire. D'autre part, des personnes travailleraient pour des élus ou de futurs élus à saboter le service public en vue de mettre en mal un adversaire politique. Cela passe pour un acte politique normal. Égouts bouchés, pneus cimentés pour barrer l'évacuation des eaux et déclencher exprès des inondations, et les exemples sont nombreux. On voit souvent dans les news l'info détaillée sur de tels actes, mais on voit rarement le suivi en justice par les journalistes, ni les articles relatant les sanctions prises par l'autorité. Cette absence de suivi de l'information sur les sanctions laisse un air d'impunité dans la tête des populations et développe une certaine inclination à mal se comporter en société, sans crainte. Pendant ce temps, l'incivisme bat son plein dans tous les secteurs. Les agents du service public remplacent leur mission qui consiste à satisfaire les besoins des populations et se dressent comme des propriétaires de services qui vous font une faveur. Les commerçants augmentent les prix des marchandises sans crainte de l'inexistant service du contrôle économique. Et les exemples sont nombreux et les exemples sont quotidiens. Le développement de l'incivisme au Sénégal est tel qu'aujourd'hui, les actes non civiques sont presque considérés comme des actes héroïques. Mais quand des élus du peuple, qui nous ont déjà habitués à ouvrir la bouche pour sortir les plus vilaines insanités devant les caméras de la télévision pour les transmettre à nos enfants dans nos salons, tout en s'envoyant des coups de poing, sont, selon la presse, cités dans un trafic de passeports diplomatiques, dans des magouilles de faux mariages, on ne peut ne pas penser au peuple qui les a élus. L'incivisme a choisi l'incivisme pour le représenter. Les électeurs auraient-ils librement choisi leurs représentants sur la base de leur comportement? N'est-il pas trop tard? Le gouvernement doit savoir que l'incivisme a déjà miné presque tous ses projets. En effet, une bonne partie des populations qui attend avec impatience l'émergence, les retombées du pétrole, le démarrage du BRT, celui du TER, n'a presque aucune notion de civisme ou de responsabilité sociale dans la menée et la conservation durable de tous ces projets qui pourtant nous ont coûté si cher. Pour moi, le président devrait aller plus loin en dynamisant et en renforçant l'enseignement de l'éducation civique et de la morale du primaire au lycée et même à la télévision nationale, tout en faisant refléter des sanctions exemplaires contre tout auteur d'actes inciviques. Si ces deux actes sont bien conjugués, on pourrait peut-être rattraper le retard.